Bonjour, chers compatriotes. Ici TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalala Mbalandaï. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes congolais, ici TV du peuple RD Congo. Nous revenons aujourd'hui avec l'actualité qui est très nourrie. Bandeko babiso ba bolingo, tozongili susu, onabasango, yambo kanabiso, wandogo apenzi, tunawasalimia nyote. Tunarudia leo na maelezo mapya. Bampangi na betu betu mevutuka mbubu ya yi. Na basango ya yinsi ya betu. Bana betu basu ibwe toa kufina na katile lwewu. Bwa kuno ambila malua ditunga dietu. Alors, les titres principaux traités seront d'abord l'arrivée triomphale de Mwanamboka, soldat du peuple, Martin Fayulu. C'est pas moi qui l'appelle soldat du peuple, c'est le peuple lui-même qui l'appelle soldat du peuple. Notre télévision du peuple, c'est une télévision du peuple, pas une télévision de l'UDPS, pas une télévision du Rassemble, pas une télévision du FCC. Nous sommes une télévision du peuple. Voilà. Et le peuple veut quoi? Le peuple veut l'alternance. Alors, nous parlerons aussi des révélations choc de la télé France 24 avec Madame Lely ou Leslie Varenne, la fondatrice de l'Iveris. C'est très choquant. Alors, nous parlerons aussi de l'opposition qui est déchirée, du tribalisme. Et d'une certaine stratégie à adopter par rapport à la révélation de Corneille Nangaa, qui dit qu'il n'y a plus moyen de reporter les élections. On ne peut plus reporter, on va tout droit aux élections. Il est chrétien, il ne trichera jamais. Voilà. Alors, nous allons vous proposer quelques images de l'arrivée triomphale de Martin Fayulu. Eh oui. Nous vous proposons encore. Et voilà encore quelques images.
Oui, dans la boca, en tout cas les classiques, la révélation choc. Il y a Madame Leslie Varenne, fondatrice. Il y a l'Iveris. Donc, Azali connaît qui s'en Kagame, Azali n'a soutien, il y a les puissants de ce monde. Azali copie sa même exemple, mais bon, Moni Ndenge a imposé Madame Mushikiwabo la présidence, il y a OIF. Alors, Boyo Kabila Moko. Donc, ce qui est Yoki Yango très très bien, beaucoup comprendre que libération et kouta n'a qu'à y avoir un abysso. Il faut que soyons surtout à la conscience que tout le monde a libéré du secours. Même Sadek, Andini, machine à voter. Communauté internationale, asa silencieuse, Dengazoloba. Donc, à l'objet que tout est mis en place de façon que le Congo ne s'en sorte pas, que le Congo ne se développe pas, qu'il ne devienne pas un pays émergent ou une puissance régionale. Parce que Botan évidemment Kotozana, la richesse. Il y en a moins de pays Moko, Azanangote en quantité. Bon, cabinet Moko. On passe au fait du jour à présent et la crise qui couve au sein de l'opposition congolaise, alors qu'on est à un mois et demi de l'élection présidentielle en RDC. Deux dirigeants de l'opposition, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, se sont retirés d'un accord conclu dimanche. Ils visaient à soutenir un candidat commun, l'homme d'affaires et député Martin Fayulu. Une transition pacifique est-elle toujours possible dans le plus grand pays d'Afrique subsaharienne? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Leslie Varenne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et directrice de l'Iveris, c'est l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques. Merci d'être avec nous. Peut-être d'abord un mot sur ce candidat qui a été désigné, il faut le dire, un peu à la surprise générale, Martin Fayoulou. Est-ce qu'on l'avait vu venir? Non, on ne l'avait pas vu venir. Ce n'était pas le candidat qui était. On parlait beaucoup plutôt de Félix Tshisekedi. Ce n'était pas le candidat qui était favori. Mais Félix Tshisekedi, le fils aussi hein, de le l'opposant fils, le historique, fils de. Étienne Tshisekedi. Non, on ne l'avait pas vu venir, mais moi je crois dans cette affaire, l'analyse que je fais de cette affaire, quand vous lisez la déclaration finale qu'ils ont signée après leur week-end à Genève, il est dit dans cette déclaration, on veut que les élections soient libres, crédibles, transparentes, et pour cela il ne faut pas de la machine à voter, dont les Congolais ne veulent pas, et on veut un nettoyage du fichier électoral. À 6 semaines des élections, ce n'est pas possible. C'est Donc, vous juste. dites que l'accord lui-même n'est pas applicable. Mais non, il n'est pas applicable. Alors, il y a un À autre. dessein, À il a dessein. été ré rédigé de telle manière qu'il ne pouvait pas être applicable et donc que ce candidat choisi ne pouvait pas être soutenu au Moi, final. je pense, l'analyse que je fais à la lecture de ce document, c'est que Martin Fayoulou a non pas été choisi comme candidat, mais celui qui allait mener la lutte, puisque après avoir dit. Qu'il ne voulait pas de la machine à voter ni et qu'il voulait d'un nettoyage de fichiers électoraux, ils disent, si nous n'avons pas ces conditions-là, nous en appelons à l'article 64, qui est l'article 64 qui appelle le peuple congolais à faire respecter la Constitution. Donc, évidemment que Martin Fayoulou était le candidat du combat, ce n'était pas le candidat pour des élections. Et donc, si c'est le candidat du combat, c'est effectivement le meilleur candidat. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi l'a dit lors d'un entretien sur un site d'actualité, nous avons été grugés. Il reproche dans un tweet à Martin Fayoulou d'avoir pris un engagement avec lui, les yeux dans les yeux, qu'il le met au défi de révéler à l'opinion publique. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas, mais en fait, ce dont il s'agit, à mon avis, et ce qui s'est passé à Genève, c'est deux camps que peut-être Félix Tshisekedi, qui n'est pas un très fin politicien comme son père n'a pas vu venir, c'était entre les camps Kamerhe et Tshisekedi qui voulaient aller aux élections et les camps qui ont entériné que cette élection ne pouvait pas avoir lieu, au moins dans ces temps-là.
parce que eux aussi ne pouvaient pas y aller. C'est aussi la différence entre Tshisekedi et Kamere, dont les partisans d'ailleurs leur demandent aujourd'hui de maintenir leurs élections, et puis deux autres ténors de la politique congolaise, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui eux ont été empêchés. Ils n'ont pas pu se présenter à cette élection présidentielle. Est-ce peut-être ce qui, d'après vous, explique aujourd'hui ce conflit? Je pense que quand même, si l'opposition s'était réunie face à Emmanuel Chadari, le dauphin de Kabila, ils avaient un boulevard. Donc, tous ces petits chicaïas de politique politicienne, c'est assez... Dans ce pays, comme la RDC, qui souffre avec les événements qu'il y a à Béni et qui sont extrêmement graves, c'est assez affligeant de voir ce spectacle-là. Cela dit... Cette élection ne peut pas avoir lieu dans de bonnes conditions et la façon dont cette élection est préparée, aucun candidat qui sortira de là ne sera légitime. Il reste 21 candidats en lice aujourd'hui dans cette course. Cette élection, elle aura lieu, vous pensez? Je n'en suis pas certaine. Je n'en suis pas certaine. On va donc vers un nouveau report d'une élection qui aurait dû se tenir avant la fin 2016, puisque c'est à fin décembre, 31 décembre 2016, qu'expirait le mandat de Joseph Kabila. Oui, alors si l'élection n'a pas lieu, on en sera au troisième glissement, ce qui est quand même une pente très raide. Il faut rappeler que depuis le 31 décembre 2016, il n'y a plus aucune institution qui soit dans la légalité. Ni le Sénat n'est pas légal, l'Assemblée nationale n'est pas légale, toutes les décisions qui sont prises sont illégales. Donc là, on est dans une impasse totale. Il y a, à mon avis, la seule solution pour sortir de cette impasse, et tous les politiques face au drame, encore une fois, que vit la RDC, la seule solution pour sortir de cette impasse, c'est que la communauté internationale impose une transition, comme ça s'est passé en République centrafricaine, et avec aucun de ces gens-là qui ont montré qu'ils ne pouvaient pas, ni les Kabila, ni l'opposition. Il y a des possibilités pour le faire aujourd'hui? Ça vous semble possible? L'Église a joué un rôle dans les négociations. Est-ce qu'elle détient aujourd'hui l'une des clés de ce problème inextricable, si on vous écoute? Oui, là c'est une impasse totale. L'Église peut avoir une influence. Elle ne détient pas les clés parce qu'elle n'est pas plus légitime pour faire une transition. Il y a des Congolais qui appellent à une transition avec le prix Nobel de Denis Mukwege pour faire une transition pacifique. À mon sens, quand j'ai vu l'appel qu'ils ont fait, à mon sens, c'est la meilleure solution. Je n'en vois pas d'autre. Parce que le spectacle qu'ont donné, quand même, les opposants, on signe un accord, moins de 24 heures après, cet accord est rompu avec ce que vivent les Congolais, on a l'impression que le cagot congolais enrage tout le monde, sauf les Congolais eux-mêmes. Aujourd'hui, le scénario, vous dites, vous n'êtes pas sûr que cette élection a lieu. En tout cas, si elle a lieu, elle devrait voir donc la victoire d'Emmanuel Ramazani Chadari, c'est-à-dire l'ancien ministre de l'Intérieur qui dirige aujourd'hui le parti présidentiel, le dauphin désigné de Joseph Kabila. C'est le scénario le plus probable si l'élection déroule. C'est le scénario le plus probable. En plus, avec la machine à voter, on va avoir des élections qui ne seront ni transparentes, ni crédibles. Les listes électorales aujourd'hui permettent de tenir un scrutin sincère? Non. Non, ni la machine à voter, ni les listes électorales. Donc, si les candidats de l'opposition vont en plus... Parce que ça serait passé même si les candidats de l'opposition avaient été unis. Les élections n'auraient pas été mieux préparées. Mais au moins, ils auraient pu dire que ce n'est pas crédible. Mais s'ils vont tous... ils y vont désunis et qu'il y a un effritement, Chadari peut dire j'ai fait 18%, les autres ont fait 15, 16 et c'est une élection à un tour. Hein. Vous évoquiez la situation à Béni. Aujourd'hui, dans quel état se trouve le Nord Kivu, cette région qui a été quasiment perpétuellement en guerre et théâtre de génocide? Non, si vous regardez, je regarde à peu près tous les jours les informations sur le Kivu, c'est épouvantable. Je veux dire, il n'y a pas un être humain qui peut continuer à regarder ce spectacle-là sans être... absolument atterré, et je trouve aussi atterrant que les opposants n'en fassent pas un cheval de bataille. Ce qui s'est passé dans les Kassai et ce qui est encore en train de se passer dans le Nord Kivu est vraiment, et j'aurais souhaité d'ailleurs que ce dossier, qui est un dossier vraiment important, soit abordé au Forum pour la paix. Que se passe-t-il justement aujourd'hui alors que par ailleurs une épidémie est sans doute liée à Ebola ravage la région? Bah, il se passe que les massacres continuent et que les présumées ADF, ces milices dont on ne sait pas trop bien qui elles sont, mais enfin bon, c'est tout un sujet là-dessus, continuent à massacrer les populations civiles à l'arme blanche. Et l'armée congolaise ne fait rien, ne protège pas les habitants.
la MONUSCO qui est la plus grande force des Nations Unies, hein, aujourd'hui, qui est la plus grande mission de maintien de la paix. 1,4 milliard, 20 000 hommes, et les massacres, et on continue de massacrer à Beni comme s'il n'y avait rien, à tel point d'ailleurs que les étudiants de Beni ont demandé ont interdit la semaine dernière à la MONUSCO de circuler dans Beni en disant on ne veut plus que l'ONU fasse du tourisme chez nous. Une zone de non-droit qui, d'après vous, est aussi attisée par les pays voisins. Oui. Vous pensez à quoi? Au Rwanda? Je pense au Rwanda, oui, bien sûr. Je pense que l'Ouganda s'est un peu calmé. Je pense au Rwanda. Je pense que tous les États de la région ont aussi leur agenda et qu'ils jouent d'ailleurs sur cette élection présidentielle. C'est ce qui explique, d'après vous, le silence de la communauté internationale? C'est ce qui explique le silence de la communauté internationale, et oui, vraiment, c'est ce qui l'explique. Le Rwanda fait peur aujourd'hui? Le Rwanda, c'est quand même un tout petit pays très pauvre, mais je pense que les États-Unis sont très impliqués avec le Rwanda. Qui est parvenu à faire élire la présidente de l'Organisation internationale de la francophonie, donc qui détient quand même aujourd'hui une certaine influence, dans le monde francophone en tout cas. Il détient une certaine influence parce qu'il est président de l'UA jusqu'à présent, mais s'il n'était pas soutenu par des États, des grandes puissances, Paul Kagame ne pourrait pas faire tout ce qu'il fait, il serait personne. Enfin, c'est quand même un petit pays, pauvre, il n'a pas la puissance que peut avoir d'autres États. Et ce qui est très curieux aussi, c'est le rôle de l'Afrique du Sud, qui est quand même un voisin très important et qui ne dit rien sur ces choses-là. Et je remarque aussi que la SADC, qui est quand même l'organisation organisation régionale très puissante, a adoubé la machine à voter. Est-ce à dire que la SADC aujourd'hui soutient Kabila? On se demande. La fondation Kofi Annan s'est impliquée dans cet accord de l'opposition. Oui. Elle publie la lettre d'engagement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. C'est-à-dire que là aussi, l'Afrique du Sud tente aussi d'organiser l'opposition, ou au contraire, de faire comme s'il y avait une opposition unie. Mais je crois que justement, le rôle de l'Afrique du Sud, le rôle de l'Angola, qui aussi expulse les réfugiés 6 semaines avant les élections présidentielles, c'est quand même très curieux. C'est pour remettre un peu d'huile sur le feu. J'ai l'impression que tous les pays de la région se satisfassent que le Congo ne s'en sorte pas. Et ils se satisfassent de pouvoir piller le Congo. Alors c'est bon pour les pays de la région, c'est bon aussi pour les grandes puissances. Merci beaucoup Leslie Varenne. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et que vous dirigez à l'IVERIS, c'est l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques. Bandeko, Babolingo, Bayimboka, Nyanso. Sikoyo, Toko, Tanglavino, va déclaration et accordé Nanga, a juré à l'obi kazakh chrétien. Donc, à l'obi que c'est obligé, ma ponami ezala. Parce que ceux qui, ma ponami ezali, t'es, bah, paré na bangonion se wana, bah, machine à voter, donc, bah, qu'on interposé yango. Donc, il faudra, conformer, bah, tout pour entretien et à bah, machine wana, il faudra conformer, bah, tout le. Ça veut dire que obligatoirement élection ezali à jurer. Ça veut dire na machine à voter. C'est quoi? Donc on est dans l'article 64 ou bien donc dans l'article 64. À lobby élection ezali na ba machine wana. Ce qui te reporter, il faudra qu'on intervienne ici ba machine wana. Il faudra qu'on forme un battement sous. Tu auras le problème là bas nouveau majeur. Et voilà. Toyoka. Ok, Madame Boka, vous allez partager l'information via Internet. Donc, si vous avez une révélation, il y a Corneille Nanga. Donc, comme il y a diasporrdc.com, je ne trafiquerai jamais les élections. Je suis chrétien. Ok. Donc, on a interprété en gros le col à jurer. Ce qui m'a juré. À accomplir Yangote. Donc, a commis boîte et la malheur. Nous lisons.
À l'occasion du débat public sur les éléments du consensus avant la tenue des élections du 23 décembre 2018, organisé ce mardi 20 décembre par la CAJ, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a assuré que les élections du 23 décembre sont incontournables, précisant qu'il n'y a aucun mécanisme pour le report de ces trois scrutins. Vous entendez, chers compatriotes? Voyons qui vient au mon corps. Surtout que les conséquences du report, prévient-il, sont incalculables. D'abord, a-t-il fait savoir, le matériel déjà déployé et gardé dans les entrepôts provisoires devra être sécurisé. Et les frais supplémentaires d'entreposage ne sont pas prévus. Ensuite, a-t-il indiqué, il faudra reprendre toutes les formations à zéro. Enfin, a-t-il conclu, dès le mois de janvier 2019, le problème de nouveau majeur se posera à nouveau, entraînant une nouvelle opération d'enrôlement des électeurs. Aux Congolais qui n'ont pas confiance en lui, Corneille Langa déclare « Je ne trafiquerai jamais les résultats des élections. Prendre les voix de celui-ci et les donner à celui-là, je ne ferai jamais ça. Je suis chrétien. » M.C.P. Oyazana Matoya Koyoka Ayoka Bandekoba Bolingo Banabetu Wandugwatensi Bampangi Amun Betuluta Na Sangoya Félix Tshisekedi avec la malédiction du nom Tshisekedi. Passons un peu à une dissertation verbale. Bon, n'en déplaise à l'UDPS, au Tshisekédiste et allié. Bon, je ne suis ni contre ni pour. D'abord, je suis dans un parti politique qui n'est pas l'UDPS, mais là, je transmets seulement, je disserte un peu avec vous. Félix Tshisekedi, depuis très longtemps, avec son père Détienne Tshisekedi, président d'un parti politique historique, la mère de tous les partis de position, s'est rebellé contre Mobutu jusque à obtenir certains compromis quand on le nomma premier ministre. Mais il fut premier ministre pour combien de temps? Par deux fois. Il signait en barrant certains passages de la de la Constitution. Non, de la, pas de la Constitution. Qu'il devait jurer fidélité à Mobutu, voilà, à Mobutu. Excusez-moi. Alors, il barre à Mobutu et à lui, il met à la Constitution. Et puis, il ne durait pas à la primature. Maintenant, à l'époque de l'AFDL et de la descendance de l'AFDL, il gagne les élections, mais les puissants de ce monde intiment l'ordre de ne pas l'accepter comme président. On demande à Kabila de faire tout, n'importe quoi, pour qu'il garde le pouvoir. Est-ce que la donne a changé aujourd'hui? Je ne crois pas. En partant au conclave de Genève, ils s'entendent que, bon, nous aurons un candidat de consensus,
Félix Tshisekedi. Bon, ils partent là-bas et tout le monde tourne kazakh contre lui. On trouve un moyen de l'écarter. C'est à partir de tout ça, de tous ces éléments, que j'en conclue qu'il y a une malédiction de ce nom Tshisekedi, le parti le plus populaire. Mais devant cette démonstration du peuple quinois par l'accueil triomphal de Martin Fayoulou, on ne peut pas dire que le peuple ne l'a pas accueilli. Si Fachi va aux élections séparément, je pense même que s'il y avait des élections à la loyale, mais le candidat FCC ne peut même pas gagner, même s'il y avait trois candidats en tête. C'est pour ça que je pense qu'il y a une erreur quelque part. Donc, que ce soit le camp de Félix Tshisekedi, que ce soit le camp de Martin Fayoulou, que ce soit le camp de toute la société civile, du peuple congolais, tout le monde veut l'alternance. Malgré le fait que, bon, on prépare un semblant d'élection. Et s'il n'y a pas élection, tout le monde est d'accord sur le point qu'on peut recourir à l'article 64. Mais alors, pourquoi s'entretuer par des injures, par le tribalisme? Félix Tshisekedi n'est pas égal au Balouba. S'il y en a qui s'en prennent à Félix Tshisekedi, qui s'en prennent à Félix Tshisekedi, mais pas à tous les Balouba. Et pourquoi ce tribalisme, ces injures dirigées vers les Balouba et tout ça? Mais c'est honteux, c'est archaïque, ce genre de comportement. La plupart des poids lourds de l'opposition, ils ont des épouses originaires du Kasaï. Il y a un grand métissage aujourd'hui entre les peuples, un grand métissage culturel, tribal, et tout ça. Abandonnons les divisions. De toutes les façons, nous sommes dans le même camp. Nous sommes dans le camp du changement. Il faut que Kabila parte. Mais cherchons les mécanismes et les stratégies pour pouvoir faire partir Kabila. Voilà que sur France 24, Madame Leslie Varenne, fondatrice de l'Institut de son nom, sur des stratégies. Il dit que le monde, la configuration mondiale actuellement, elle est faite de façon que Kagame a des soutiens, des poids lourds de ce monde, des dirigeants de ce monde. Voilà, la démonstration est qu'il parvient à imposer Madame Mushikiwa comme présidente de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, nous risquons de continuer à être esclaves de ce monde. Les choses sont faites de façon que le Congo ne s'en sorte pas. De cette façon, ça profite à tous les pays voisins, y compris l'Afrique du Sud. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Madame Leslie Varenne sur France 24. Est-ce que c'est faux? Les faits sont têtus. Kabila est venu par les armes
Est-ce qu'il partira par les élections? Va-t-il organiser les élections pour qu'il la perde? Ok, chers compatriotes, on te voit, vas-y. Je vais chaler au tout à l'heure. Kesho, Balabeto, Basuibé. Toku, Jikija. Les loups. Et tout fait un chat. Makelela. Animal là-bas. Selon le régionalisme. Ok. Au revoir.